you. Salut à toutes et à tous, c'est Jake, bienvenue dans Regard dans le Rétro, vous êtes sur Pokémon Rouge et on continue notre quête, notre défi Pokémon. Je regarde juste un truc, ça devrait le faire, c'est parti. Nous sommes donc à Céladopol, une ville charmante avec ses habitants charmants, ses bâtiments un peu moins charmants, dans lesquels nous n'allons pas nous attarder. Je voudrais juste accéder là-haut. C'est ici, voilà. Alors, deux têtes. Oui, c'est ça. Nous allons récupérer un Evoli. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste envie de récupérer un Evoli, voilà. Ouais, ouais, fais-moi des échanges si tu veux, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux ça. Ouais, transfert, allez. Voilà, donc Evoli est là, je m'en servirai peut-être, je ne sais pas pour le moment. On s'en va de ce machin. Voilà, alors maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Par là, oui, non? J'espère que oui, en tout cas. Non, on ne peut pas descendre. Peut-être un truc caché par là? Non? Non, il n'y a pas de truc caché. Alors maintenant, nous allons aller au centre commercial. Si, bien sûr, nous avons de la chance. Et du temps à perdre. Parce que la manette est en train de me dire des insultes. Le centre commercial, c'est ça ou ça? Je sais plus, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ça, on n'ira même pas. Normalement, tout le monde y va. Mais moi, je n'irai pas. Shop, voilà. Dans le shop, on va monter au dernier étage. L'ascenseur, oui. On va d'abord passer par le troisième étage. Quel étage? Troisième. Oh mon dieu. J'aimerais pas être dans cet ascenseur en vrai. Bonjour monsieur. Oui, je veux acheter une Pookie Poupée. Ok. De rien. J'ai pas vraiment de Pokémon feu, je crois. Je vais prendre pierre feu. Une pierre foudre, je vais toutes les prendre au cas où. Même si non, je crois qu'on en a aucune de ceux-là. Et une pierre plante. Même si la plante ne me servait pas à grand-chose. Voilà, c'est juste au cas où. Je pense que je vais m'en servir. Ah merde, on fait le tour. Pour Evoli. Parce que je n'ai pas de Pokémon feu. Donc, oh mon dieu, les oreilles. Donc je me prendrai un Pyroli, je pense. C'est par là. Ouais. Et là on va acheter des boissons. On va acheter à boire. On va acheter une eau fraîche. On va acheter une deuxième eau fraîche. Ah, le bruit est affreux. On va acheter un soda. Ah. Ah, ça pose problème. Ça pose un gros problème. Je vais perdre du temps, mais j'aurais dû m'en douter. On va prendre l'ascenseur. Attends, j'ai pas de pépite qui traîne par là. J'ai deux pépites, attends. Je vais vendre les deux pépites. Non, non. J'ai une CT30 qui traîne dans mes affaires, je ne sais même pas ce que c'est en fait. C'est quoi la CT30? Téléport. Bon, téléport, non. Donc on va vendre la téléport. Non, mais pas acheter. Non, vendre. Oh là là. Hop là. Et on se casse. Mais sachant qu'on va y revenir, j'aurais dû jeter un œil à ça avant. Bon, c'est pas grave.
On va prendre les escaliers après. Ah oui, c'est vrai. Ma bibi, ma cyclette, ma bicyclette. Et on va poser plein de choses. PC de moi. Je veux stocker. Alors, on va stocker. On va stocker. Levier ombre. On va stocker la pierre feu. On va stocker la pierre plante. On va stocker la pierre foudre. Et on va stocker la pierre eau. Voilà. Et maintenant on s'en va. On retourne au centre commercial. Oh là là. Je voulais faire un épisode rapide et tout. Je perds déjà beaucoup de temps. C'est super énervant. Donc on va au troisième. Rez-de-chaussée. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. En fait, c'était tout où je voulais aller. Et terrasse. Donc j'ai une eau fraîche. Je prends un soda. Et une limonade. Et il y a une demoiselle ici qui a soif en fait. Et en échange, elle nous donne des trucs sympas. Donc je gagne laser glace. Ensuite, je lui donne du soda et elle me donne la 48 qui est éboulement. Et enfin, la limonade. Et la 49 qui est triple attaque. Alors, voyons voir dans ces choses. Laser glace, déjà. Je voudrais la prendre à Carabaf. Mais du coup, je vais devoir lui virer quelque chose. On va oublier... Ah, quoique morsure, elle est bien quand même. Bulle de vacuum, pistolet à eau, c'est bien aussi tout ça. On va oublier morsure, tant pis. Ensuite, j'espère que j'ai mon racaillou avec moi. Racaillou ou trio piqueur. Trio piqueur, on ne peut plus rien apprendre. On va voir ce qu'il nous propose. Griffe, rugissement. Ouais, rugissement. Enfin, il nous reste la dernière qui est triple attaque, qui est, je crois, du combat. Voyons voir, il y a Kadabra qui peut apprendre triple attaque. Mais Kadabra ne peut plus rien apprendre. On va voir ce qu'il nous propose. Entrave, je m'en sers pas d'entrave. Et on s'en va. Maintenant, on va récupérer Vol qui est caché quelque part à l'extérieur de la ville avec ma bicyclette. Où est ma petite Vol? C'est là, je crois.
De suite, on la prend à Mister. Oui, à Mister Rocoups. Parfait. Et on s'en va. Alors, objet bicyclette. Pokémon, Ortide et Coupe. Là-bas, on ira plus tard. Et maintenant, nous allons à l'arène si on trouve le moyen d'y accéder. Mais non. C'est une arène de Pokémon. Je sais plus. Si, je crois, hein. C'est pas Psy, c'est quoi? Mais non, pourquoi t'es tombé? C'est la double arène Pokémon, champion Erika, combat par les plantes. Ah! Pokémon plante! Très bien. Est-ce qu'on fait tous les combats ou pas? Il y en a un, deux. Il y en a 8. Sachant que... Ah, trop tard. Allez, c'est parti. Pokémon Plante. L'idéal, c'était d'avoir un Pokémon Feu, donc j'aurais peut-être dû prendre mon Pyroli directement. Sauf que je ne sais plus de quel niveau est évolué, en fait. Donc, oh mon dieu. Un Boussifleur. Carabaf, Plante, ça va pas trop le faire. Je vais quand même tenter une Hazard Glass au cas où. Ah ouais, quand même. Comment ça, le rappel? Je m'attendais pas à ce que la glace soit aussi efficace. C'est son Boustiflor qui a déjà pris cher, donc on lui mettrait Cume. Buldo. Un air bizarre, est-ce que je change de Pokémon? Non. On va rester sur du laser glace. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace quand même. On va faire celle-là là. On va faire les 4 là, sachant que la deuxième en noir, c'est Erika. Deux Pokémon, ça va aller. Mystère! Sachant que pour Erika, je pense que je sortirai Kadabra. J'en reviens pas. C'est impressionnant. Laser Glass. Oh là là! D'accord, écrase-moi comme une puce si tu veux. Oh mon dieu. Je ne savais pas que Neuneuf avait 5 petits œufs et un gros. Ça c'est cool. Ah, il y en avait qu'un ? Est-ce que j'ai une Will? Je sais, d'accord, on va la garder. C'est elle. J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons, c'est chou, blabla, Erika, championne de l'arène de Céladopol, un rangement floral et la spécialité Pokémon de type plante. Ampiflore. Il est un peu maigre son Ampiflore. Est-ce que je continue? Ouais, je continue avec Carabaf après tout.
Non. Est-ce que j'ai un réveil? Je n'ai pas de réveil, très bien. Ça va faire mal. Ah ouais! Ah ouais! Ah merde, Kadabra, il est que 21 en plus. Je suis dans la merde. Non. Ah, oh, putain. Roucoups. Bon, à la limite, ça m'arrange. Moi, c'est pas très efficace, mais il est empoisonné. On va continuer comme ça, c'est pas grave. De manière, j'ai un antidote pas loin. Oui, Kadabra monte au niveau 22, c'est bien. Un sac de nœuds, non, change pas de Pokémon. Ouais, c'est pas très efficace non plus, quoi. Ouais. La tornade a l'air de faire un peu plus de dégâts, mais bon. Constriction, c'est quoi ça? D'accord. Un coup critique. Je pense que je... Non, quoi que... Non. Je me disais que je pouvais peut-être utiliser un antidote juste après qu'elle lance son prochain Pokémon, mais il a quand même pas mal de vie, le Roucoups. Et en plus, il monte au niveau 30. Un Rafflesia, est-ce que je change de Pokémon? Non. Oh mon dieu, mais qu'il est moche! Dansefleur. C'est mignon comme nom. Oh, ça fait bobo. Mouais. J'ai pas quelque chose... Vas-y, on essaye vol. C'est quoi ça? Vive attaque. Oui. Prisme. Force. Et là, c'était 21. Méga Sensu. Pokémon. D'accord. Donc, Méga Sensu, on va la prendre directement à mon super Hort. Oui, ah, un Pokémon, oui, et à Ortide. Oui, mais tu ne peux plus rien apprendre. Donc, tu vas oublier. Ah. Poison ou sommeil? Plutôt poison. Est-ce que j'utilise un antidote de suite ou... Ouais, si, parce que je vais en avoir besoin quand même. Et je vais prendre une popo. Potion max, super potion, super potion, hyper potion, hyper potion. Bah, nickel. Alors, j'ai fait ces 4. Et là où il y a quoi? Il y a rien. Là, il y en a une, deux... L'idée c'est quand même d'XP encore un peu quand même. J'ai pas compris pourquoi elle veut pas que je lui parle. Ah mince! En gros, les combats, fallait les faire avant de déclencher Rika. Ah, c'est nul, ça. Bon, ben, on s'en va. Hein. J'aurais peut-être pas dû soigner Roucoups. Ah, c'est, je suis déçu, là.
Je voulais avoir... Bon, mais tant pis. C'est pas grave. On gagne un peu le temps qu'on a perdu. Juste avant, il y a rien là. Pokémon, Orchid de coupe. Direction le centre Pokélol. Très bien. Ça sert de se planter de chemin. Il est où le centre Pokémon? Ah, on va faire tout le tour. Hop là. Ah, j'ai pas pensé au timer, je vais le faire juste après le soin. On va dire que ça fait une ou deux minutes que j'ai battu Erika. On va... Hop là, bientôt. Save de suite. Euh, 6.05 donc 6.05, très bien. Ouais, je vais poser quelque chose. La 16.02 déjà. Et voilà. Et PP+, ouais, je vais l'utiliser sur Karabaf. Sur Lazarglass, ouais. Parce qu'après tout, c'est bien pété et je vais en avoir besoin assez souvent. Bien, maintenant, nous quittons Céladopool. C'est parti. Et nous rejoignons... Pourquoi est-ce que je m'embête, en fait? Utilisons vol. Jadiel, Argenta, Azuria, Lavanville. Oui, nous partons à Lavanville. Et voici la tour de Lavanville que nous allons rush car nous n'avons pas la scope bonjour si tu es... Oh merde. Si on est... Normalement à la scope en fait on aurait dû voir les Pokémon spectres. J'aurais bien voulu capturer un Pokémon spectre, net tout ce que vous voulez, donc genre Fantominus, un Spectrum, parce qu'on peut pas capturer des Scoplasma. Sauf que ça me réfère beaucoup de temps et j'aurais dû me taper toute la tour de Céladopool, le manoir. Voici donc notre rival. Bonjour Doppel. Il en a 5. Voici son Rookups. L'idée c'est d'aller très vite. Allez, Viator! Oh! Sérieusement, un Léviator! Aïe! Aïe! Très mal. J'ai pas vraiment envie de perdre mon Pokémon en fait, je vais reprendre Karabaf. Ouais, mords-moi si tu veux. Ça fait mal quand même ce machin. Caninos, non, je ne change pas de Pokémon. Ça m'arrange. Ouais, enfin... Voilà, c'est mieux. Un Kadabra, est-ce que je change de Pokémon? Non. Ça va. Entrave. Tant mieux, tu échoues. Ça m'arrange. Un air bizarre. Est-ce que je change de nom?
XP, c'est bien, c'est bien. Petit Fennec, je ne t'ai pas pris au sérieux. Petit Fennec, c'est mignon. Il vient de capturer un ocelet, il n'a pas trouvé de ossature. Car oui, en fait, c'est un ossature que nous allons rencontrer plus haut. Est-ce que je dois besoin de heal qui que ce soit? Une petite potion, potion max, super potion sur... sur Karabaf. Et sur Kadabra du coup. Voilà. Le reste, ça devrait le faire, je pense. C'est parti pour la suite. On va rencontrer pas mal de pseudo-combats. Que nous n'affronterons pas. Le chemin. Il y a 3 ou 4, voire 5 étages. Là, je suis obligé de faire ça. Sois maudit, quoi! Les chouilles, ça fait quoi les chouilles? Pas grand chose. Un Fantomus encore, est-ce que je change de Pokémon? Non. Oui, donc les seuls combats qu'on va vraiment faire, c'est ces exercices en fait. Oh. Non. Voilà. Une élixir, il y a une autre truc par là-bas. Est-ce que je réveille? Ouais, mais là je vais aggro celui-là, je crois. Non, même pas? Cool. Là il y a une autre truc. PV plus si tu veux. Ah, mais j'ai pas. Oh merde. Un spectre. Hop là. Et on va l'attaquer, ce qui va nous dire va-t'en, dehors. Et voilà, du coup on ne peut faire que fuite en fait. Donc on fuit. Et putain. Je me demande si je vais perdre du temps du côté long où je risque d'avoir que des spectres ou par avec lui là. Voilà. Je pense que si on en a tous les deux pas, on va se taper le combat d'en haut parce que là je pense qu'on va perdre du temps sinon. Voilà. Combien tu as de Pokémon? Un seul, tant mieux. Pas fait gaffe en fait à combien de pp de laser glace il me reste là-bas. Allez, 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 étage suivant. Il y a un truc là. Ok. Alors il y a une bolle en bas, un spectre qu'on va fuir. Il y a aussi des objets... Oh, ici. Ah non? Les Pokémon de Tyrex sont soignés. Cool! Je vais récupérer ça. Une pépite! Eh ben tant mieux, ça nous fera de la thune en plus. Est-ce qu'on peut passer là? Oui. Ou pas? Ce n'est pas le dernier étage. Là, oui, bon, d'accord. Je voulais récupérer la bolle tranquille, sauf que non. Ton sang, donne. Donnez votre sang, d'ailleurs, si tant qu'à faire.
Allez voir les établissements français du sang pour faire des dons de sang. Ça sert toujours, ils sont toujours en manque vu que c'est du sang qui doit être utilisé dans les 15 jours pour aider des malades. Faites-le, franchement, c'est une bonne action. Voilà. Onde folie. Non, non, non. Il me fait mal. Non, Karabaf. Non, putain. En gros, la vie que Karabaf perd, c'est parce que principalement je m'inflige des dégâts. Bon, mis à part Ténèbres qui est quasi burn. Je vais mettre une potion quand même. Encore. J'ai pas vraiment envie de partir à Baf. Mais bon. Onde de folie. Pourvu que ça. Pourvu. On devient fou. Buldo. Non. Non plus. Alors là, pourvu que ça. Aïe aïe aïe. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Oh. Triopiqueur. Pas d'effet. Ça arrive. Tunnel. Efficace. Tunnel encore une fois. Très efficace. Bien. La bobole. Précision plus si tu veux. Nous continuons. Allez, un combat que je ne peux pas. Ok, d'abord un spectre. Bien, est-ce que l'autre m'aggro ou pas? Oui, il m'aggro. Combien de Pokémon as-tu? Exorcise un seul, très bien. Fantominus. Est-ce que ça passe avec Kadabra? Je ne sais pas. Oh. Ça fait mal quand même, Ténèbres. Je pense pas que. Moi aussi ça. Allez. Mais... Pam, pam. J'essaye la triple attaque quand même. Mais je l'ai essayé tout à l'heure. Oh là là, la fatigue. Oui, désolé, je suis à l'ouest. La musique est un peu buggée. Non! Ça me gonfle, je vais mettre une potion. Un super bonbon, cool. Y a un truc là-bas. Non, même pas. Bon, c'est où la. Ah, c'est en bas. Bien. Là, c'est Ossature, donc ou la maman de Osley.
Et là, on fuit, sauf qu'on est censé monter. On doit monter. On ne pourra pas l'attaquer. Normalement, on l'attaque. Sauf si... l'astuce de la Poképoupée. Tout simplement. Et maintenant... on est obligé... on monte. Et on se tape la Team Rocket, sauf si on se tape des spectres avant. Pour délivrer un vieux monsieur dont j'ai totalement oublié le nom. Alors il y a 1, 2, 3 et peut-être même 4 combats. Vous avez quoi en main les oeuvres? 3 Pokémon. Un Osferapti. Ok. Un Osferapti encore. Est-ce que je change de Pokémon? Non. Oh mon dieu là! J'hésite entre rire ou pleurer quand je vois ta tête à toi. Kadabra niveau 24. D'accord. Deux Pokémon. Un Smogo. Ok. Le Smogo, il a fait go. Il est parti. Soporifique, non, je... non. On va essayer de le down avant qu'il nous endorme. Mais je suis bête, c'est un Pokémon psy. Vas-y, fais triple attaque. Continue avec ça. Il y a quand même des bruitages qui font mal aux oreilles. Niveau 5. Allez. Ah bon? Il n'y a personne à sauver ici. Non, bien sûr, il y a le vieux en haut, mais il n'y a personne à sauver. Ils se foutent pas du tout de la gueule du monde. 4 Pokémon. Allez, on sera petit. Ciao, au suivant. Ratata, non. S'il nous fait pas croc de mort, ça devrait aller. Voilà. Un ratatac, même réflexion. Non, je garde. Aïe. Bon, une petite charge. Il en reste un. Un Osferapti, je ne change pas de Pokémon. Affronte pas la Team Rocket. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Bonjour vieux monsieur. Oui. Alors, il est où le vieux monsieur? Monsieur Fuji. Oui, la Pokéflûte qui va nous servir pour
Ronflex. On soigne donc parce que notre carapace fait quand même KO. Et on a la super pêche, youpi tralala. Les objets vite fait, je voulais poser quoi? PV plus, on va l'utiliser sur Ortide, que je n'ai pas beaucoup XP. Mon recueil ne me sert à rien en fait. Ensuite, un bonbon qu'on va utiliser sur Kadab. Sur Ortide aussi. Élixir avec pépite, on va la vendre. Précision, on va l'utiliser. Ah, c'est que en combat ça? D'accord. Donc précision, on l'utilisera plus tard. Pépite, faut la vendre. Très bien. Donc nous allons vendre la pépite ici. On trouve un shop. Et on va acheter des Pokéballs. Parce que je crois qu'on a plus trop de Pokéballs en plus. 7 Pokéballs, c'est tout. Ouais, il va falloir de... des choses. Oui, je veux vendre une pépite. Voilà. Et je veux acheter des Super Balls. Ouais. On va prendre des potions. Rappel, non. Corde de sortie, non. Super repousse, non. Antidote, si tu veux. Anti-brûle, anti-gel, anti-para. Anti-brûle, anti-gel, on n'a pas besoin pour le moment. Voilà, messieurs, dames, c'était donc Jake pour Regardant le Rétro sur Pokémon Rouge. Nous quittons l'avant-ville et nous voici sur un nouveau pont. Et c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée, une nuit, comme vous voulez. N'hésitez pas à regarder les vidéos des compagnons d'Ivasonde. Sur les autres jours de la semaine, donc lundi Pokémon bleu avec Equipon, donc mardi Pokémon rouge c'est pour ma part, mercredi Pokémon jaune avec Ralga, et vendredi Pokémon vert Japon avec Tauren. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure, ciao!